Le premier qui me dit que je suis ridicule avec ce chapeau, ça va aller très très mal pour lui. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo rituelle puisque ensemble nous allons célébrer la pleine lune du 18 mars 2022 mais également en profiter pour s'aligner avec les énergies de Ostara puisque ce lundi 21 mars nous allons célébrer l'équinoxe de printemps, à savoir Ostara. C'est donc un moment absolument propice et parfait pour faire des plantations en tout genre, pour des projets, pour des relations, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes du passé, pour tourner la page, voire même pour écrire un nouveau chapitre ou même un nouveau livre, soyons fous. C'est un moment qui va vraiment être propice pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des énergies sombres puisque Ostara va marquer officiellement la renaissance du printemps, les choses qui sortent de terre. C'est pourquoi je vais être votre humble serviteur, enfin je ne serai pas seul dans l'aventure, je serai votre humble serviteur durant tout ce rituel. Comme vous le savez, donc, c'est une pleine lune en vierge, donc une pleine lune qui va plutôt être douce, qui va nous permettre d'extérioriser un petit peu nos sentiments, qui va aussi un petit peu chambouler l'intérieur de nous, hein. C'est-à-dire que si pour les prochains jours à venir, vous vous sentez un petit peu dans une phase d'introspection, vous repensez à des choses, vous êtes un petit peu mélancolique, un peu nostalgique, que vous avez des sentiments un petit peu troublés, c'est normal, hein, c'est normal. Il faut pas oublier aussi qu'il y a l'énergie de la dernière pleine lune, hein, juste celle avant de la vierge, celle du mois de février, et celle de la vierge étant un signe d'air, on est donc dans une certaine forme d'instabilité émotionnelle et on a besoin un petit peu de se trouver, mais c'est tout à fait normal puisque ça colle aussi avec les énergies du printemps, hein, puisque le printemps, la nature renaît de ses cendres d'un long hiver, hein, particulièrement rigoureux. Je trouve qu'il a fait particulièrement froid cette année. Il n'y a pas eu spécialement de neige ici, enfin chez moi en tout cas, je ne sais pas vous, mais ici il n'y a pas eu spécialement de neige, mais le froid a été très présent. Et puis avec tout ce qu'on a vécu durant 2 ans, c'est vrai que cet hiver a été, je trouve, très difficile. Et là, justement, on a le printemps qui arrive, on a la fin du pass, donc on va pouvoir revivre de plein de façons possibles et imaginables, autant au sens figuré qu'au sens propre. Et c'est pourquoi je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce rituel. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir, eh bien, j'espère en tout cas vous aider à pouvoir, eh bien, démarrer un nouveau cycle, une nouvelle vie, démarrer de nouveaux projets, à vous aider à prendre racine dans la terre, hein, puisque les fleurs que j'ai choisies sont des glaïeuls. C'est pas pour rien que j'ai pris ces fleurs-là, parce que ce sont des fleurs qui sont grandes, donc il y a cette image de croissance comme ça dans le temps, hein, jusqu'à ouvrir ces fleurs, jusqu'à comme ça exploser de couleurs. Et puis les glaïeuls, ce sont des oignons, donc ils vont refleurir à chaque printemps, ce qui permettra aussi de vous renouveler. Et puis le fait que vous soyez comme ça dans la terre, eh bien je vais faire en sorte que vous puissiez puiser les forces de la terre pour affronter l'année qui arrive là, hein, parce que comment dire, que le climat est un petit peu instable quand même, il est un petit peu incertain, hein, on va pas se leurrer. Donc je pense qu'effectivement un très bon ancrage sera nécessaire et c'est ce que ce rituel aura pour but, de vous ancrer et également, eh bien, de semer comme ça des petites graines. Donc n'attendez pas des comment on pourrait dire, des récoltes là tout de suite dans les prochains jours, hein. Alors je vous le souhaite bien entendu, mais c'est un rituel Ostara, c'est un rituel qui va être sur le temps, c'est-à-dire que là je vais vous aider à planter vos petites graines comme ça dans la terre, à prendre les racines, et ça va être à vous grâce à ce rituel qui va être ouvert jusqu'à Ostara prochain par conséquent. Donc là on est sur un rituel extrêmement long, eh bien tout le long de cette année, tout le long de ce rituel, vous allez pouvoir comme ça grandir, vous élever, croître, et puis vos projets également suivront cette énergie-là. Je vous le souhaite de tout cœur. Avant de commencer notre tirage traditionnel de la pleine lune, je vais un petit peu vous expliquer ce que je vais faire durant ce rituel, enfin ce que l'on va faire, parce que je ne serai pas seul, et je préfère vous l'expliquer tout de suite, et je vais même vous donner aussi la formule, parce que je sais que vous aimez bien les petits rituels, et j'ai peur qu'on m'entende pas sur la vidéo, parce que comme je filmais en extérieur, je sais pas quel temps il y aura, je sais pas s'il va faire beau, je sais pas s'il va neiger, je sais pas s'il va y avoir du vent, donc on risque de pas m'entendre, de pas nous entendre.
Donc je vous livrerai le rituel là et vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, puisque lorsque je vais réaliser le montage, je pense que je vais devoir couper pas mal de séquences, hein, parce que autant vous dire que le rituel est très long, il va durer toute la journée, donc je peux pas vous faire une vidéo qui va durer 6 heures, c'est pas possible. Hein, déjà que j'ai fait un record avec 2h30, je ne vous ferai pas une vidéo de 6 heures, n'exagérons pas. Donc ce que je ferai sur la vidéo, je vous mettrai des jolies musiques, les musiques que vous aimez bien, et puis je vais couper, hein. Bien évidemment, vous vous doutez que pour planter des fleurs, etc., tout le rituel qu'il y a, toute la procession qu'il y a, ça se fait pas en 2 minutes chrono, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais vous, en revanche, la magie du montage fera que la vidéo ne durera pas trop, enfin j'espère qu'elle sera pas trop longue en tout cas. Donc je vous mettrai des petites vignettes sur la vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait à tel moment, etc. Et comme ça, vous pourrez suivre, et là je vais vous donner donc le rituel. Alors, ce qui va se produire, bon, il y a toute la partie, vraiment, nous on va célébrer Ostara, donc cette partie-là vous concerne un petit peu quand même, puisque j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, donc comme d'habitude je vais tout vous filmer, le repas, la décoration, les ateliers, etc. Mais la partie qui vous intéresse le plus, c'est vraiment la partie rituelle pour ceux qui ont participé, même si, voilà, ma volonté est quelque part de, pour ceux qui n'ont pas, entre guillemets, la chance de pouvoir célébrer Ostara, soit parce que pas beaucoup de moyens, soit parce que vous savez pas comment faire, etc. Eh bien, c'est ma façon à moi de vous le partager avec vous et de faire comme si vous étiez avec nous à partager ce moment. Voilà. Et sachez que pour Ostara, j'ai réalisé plusieurs prières et il y a eu un très long processus de préparation, puisqu'il a fallu que je consacre et que je bénisse toutes les fleurs, tous les oignons, et ça a été extrêmement long. Donc cette partie-là, je ne voulais pas filmer parce que d'une part, c'est pas spécialement intéressant de me voir prendre un oignon, rester une formule, la consacrer, tout ça, c'est pas spécialement intéressant, hein. Je vous laisse à votre imagination pour voir ce que j'ai pu faire, hein. Mais voilà, donc il y avait toute cette partie-là, parce qu'au final, j'ai abandonné l'idée des étiquettes biodégradables. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ça me dérangeait le visuel. C'est-à-dire que je me le suis représenté dans la tête, et j'ai vu à quoi ça ressemblait, je me suis dit, non, mais en fait, ça, c'est pas possible. Parce que Ostara, c'est un rituel qui est festif, c'est quelque chose de coloré, c'est quelque chose de gay, c'est quelque chose de joyeux. Et si j'avais simplement planté les fleurs en mettant des étiquettes, j'ai tout de suite eu l'image d'un cimetière. Je voyais des tombes et je me suis dit non, mais c'est pas possible. Pour Ostara, faire une espèce de cimetière, un carré avec les étiquettes et tout, ça fait comme si les personnes elles étaient enterrées. Et non, le but c'est pas de vous enterrer, mais au contraire de vous ancrer à la terre pour vous permettre de vous élever vers le ciel. Donc les étiquettes, ça me plaisait pas, c'est au dernier moment, et puis en plus je trouvais pas ce que je voulais, et puis au dernier moment je me suis dit non, mais ça sera pas terrible, Jo, abandonne l'idée. Ne fais pas un cimetière en vidéo, ce sera pas génial. Donc du coup, j'ai fait un rituel de consécration pour chacun des bulbes, en citant les noms, les prénoms, etc., en faisant la petite formule qui allait avec. Et autant vous dire que ça a été particulièrement long à faire. Long et fastidieux. Mais c'est mon rôle, donc je me suis dévoué à cette tâche, je le fais jusqu'au bout. Alors, pour le rituel, donc je vais rapidement vous expliquer, j'ai sélectionné un joli endroit que je montrerai bien sûr dans la vidéo. C'est un endroit qui est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, et ça aussi, ça me tenait à cœur de, d'une part, vous trouver un endroit qui était joli, qui était magique, qui était symbolique aussi. Et j'avais déjà plusieurs idées d'endroits en pleine nature, ça j'y tenais absolument. Et puis j'ai trouvé l'endroit parfait, qui est à côté d'une petite rivière, qui est à côté d'un arbre totem sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ce qui fait que vous serez ancré à la terre de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous serez ancré à la terre, une terre sacrée, hein, une terre de pèlerinage, une terre qui est porteuse d'espoir, de foi, de partage, de solidarité, d'entraide, d'amour, etc., etc. Et je me suis dit que je pouvais pas mieux faire en fait. Alors je suis désolé, je sais pas quel temps il fera, peut-être que sur la vidéo il y aura un ciel bleu, peut-être qu'il fera moche, je ne sais pas, vous verrez, ce sera la surprise. Et voilà donc pour l'endroit qui était pour moi très symbolique, et j'ai également choisi l'emplacement, c'est-à-dire que je vais prendre l'arbre totem, et vous serez autour de l'arbre totem afin que l'arbre puisse se nourrir de vos énergies, mais que l'arbre puisse aussi vous donner sa force et son énergie pour pouvoir résister dans le temps, pour faire des grandes racines fortes, profondes, qui soient bien ancrées dans la terre afin que vous puissiez résister à toutes les tempêtes. Vraiment, je vous jure, j'ai réfléchi à tout, absolument à tout. Donc, le rituel va se réaliser comme ceci.
Nous avons la chance d'être quatre pour ce rituel-là. Donc du coup, je vais faire un cercle d'invocation avec les points cardinaux et avec les gardiens des différents royaumes, à savoir le nord, l'est, le sud et l'ouest, ainsi qu'invoquer les élémentaux, donc la terre pour le nord, l'air pour l'est, le feu pour le sud et l'eau pour l'ouest. Une fois qu'on aura fait cette invocation-là, au préalable, bien sûr, on va faire un cercle. Je vous le filmerai, comme ça vous pourrez voir comment est-ce qu'on peut faire un cercle d'une autre manière. Là, en l'occurrence, on va directement le tracer dans la terre et on va le purifier tout ça pour vraiment faire un espace qui soit consacré pour pouvoir vous protéger de toutes les énergies et également sceller un petit peu hein, pour qu'aucune forme de magie ne puisse pénétrer le cercle, que personne ne puisse interférer avec ce que je vais faire. Donc, il y aura le cercle, l'invocation des esprits, il y aura ensuite, je prends ma feuille de pompe. Il y aura ensuite la consécration des fleurs, il y aura bien sûr après la plantation des fleurs et le renvoi et les remerciements. Donc je vais vous lire tout de suite mon rituel. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai peur que vous l'entendiez pas sur la vidéo, comme on sera en extérieur, que l'appareil photo risque d'être un petit peu loin, que le micro sera un petit peu loin, donc j'ai peur que vous l'entendiez pas. Donc comme ça, je vous donne tout là et vous saurez comment le rituel va se passer. Vous avez le son maintenant et vous aurez l'image après. Voilà. Et vous ferez un mix des deux dans votre tête. Alors, tout d'abord, pour l'ouverture du rituel. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer la renaissance de la vie. J'en appelle aux différents esprits, gardiens des secrets enfouis. Par la puissance de la lune du printemps, qu'à travers l'espace et le temps, nos voix soient à l'unisson tel un chant pour clamer aux cieux nos désirs ardents. Donc ça, c'est la formule pour ouvrir. Donc tout de suite derrière, on va faire l'invocation des points cardinaux avec les élémentaux. Ensuite, nous célébrons le retour d'Ostara dans l'allégresse et la joie. Nous accueillons son énergie qui pourvoit à nos besoins et alimenter notre foi. Que prenne fin le cycle du passé, que s'achèvent les relations oubliées, que les entraves soient retirées, que la roue tourne en cette nouvelle année. Tout de suite derrière, il y aura la consécration des fleurs avec cette petite prière. Donc, en plus d'avoir consacré chaque bulbe avec les noms et prénoms de tous les participants, de nouveau, je reconsacre les fleurs avant de pouvoir les planter. À vous, frères et sœurs dont les noms sont connus, que ces nobles fleurs soient votre tribut, que dans la terre prenne vie votre dû pour s'épanouir en un parfait individu. Donc là, ensuite, il y aura la plantation des fleurs et une fois que les fleurs seront plantées, je vais prononcer cette formule pour protéger un petit peu tout ce qui aura été fait. Voici nos offrandes offertes à Gaïa. Puisse le pouvoir de 3x3 veiller au bon résultat pour que la récolte se fasse mois après mois. Santé, amour et prospérité sont nos profondes volontés, qu'elles trouvent racine dans la matrice sacrée pour qu'elles grandissent et s'épanouissent dans une explosion colorée, qu'il en soit fait ainsi. Et là, on fera donc la petite formule de renvoi et de remerciement. Voilà donc pour l'ensemble du rituel qui va être réalisé. Et maintenant, je vous propose eh bien, de faire notre tirage de la pleine lune et d'Ostara. Allez, notre petit tirage pour la pleine lune du 18 mars ainsi que pour Ostara. Voyons un petit peu les énergies à venir pour cette fin du mois de mars et avril jusqu'à la prochaine pleine lune. On va utiliser l'oracle des sigils mystiques ainsi que l'oracle des esprits guides. Comme d'habitude, je vais me prendre deux petites cartes que l'on va interpréter. Allez, pour la pleine lune du 18 mars en Vierge, ainsi que le rituel d'Ostara, on nous parle de paranormal et de spiritisme, de combat et d'épreuves. Très intéressant comme tirage, les amis. Et effectivement, ça colle tellement bien avec les énergies qui sont à venir, puisque, regardez, je vous montre, on a la carte du paranormal et du spiritisme et la carte des combats et des épreuves. Alors, je vous vois venir tout de suite en me disant, oulala, non, les combats, les épreuves, j'en ai marre, j'ai déjà assez donné. Non, rassurez-vous, les amis, c'est pas forcément dans ce sens-là. Pour moi, tout de suite, ça pourrait m'évoquer un éveil spirituel que vous allez bientôt vivre ou que vous êtes en train de vivre peut-être. Et comme tout éveil spirituel, eh bien, vous allez devoir faire face à des épreuves et à un certain combat. Mais attention, c'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Nous sommes dans l'éveil de la nature, nous sommes dans la renaissance également de la lumière puisque l'équinoxe de printemps symbolise la nuit et le jour qui sont aussi longs l'un et l'autre. Donc on est dans un parfait équilibre. Mais à partir de Stara, c'est la lumière qui va prendre plus de place par rapport aux ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de bien, quand quelque chose arrive un petit peu
à saturation, eh bien l'équilibre naturel se fait de façon à ce que l'autre partie puisse de nouveau se manifester. C'est-à-dire que si vous êtes dans un éveil spirituel et que vous remettez certaines choses en question, à savoir vos croyances, votre foi, votre religion, peut-être que vous allez vous découvrir une religion, peut-être que vous allez découvrir un nouveau chemin spirituel, eh bien préparez-vous à vivre certaines épreuves et un certain combat d'ordre spirituel. Ça peut être des attaques que vous allez vivre, des attaques spirituelles. Ça peut être une introspection vis-à-vis de vous qui va générer une forme d'obscurité, c'est-à-dire qu'à force de se poser trop de questions, attention avec l'introspection. Quand on commence l'introspection, il faut s'imposer certaines limites à ne pas franchir. Parce que plus vous allez creuser, et plus vous allez partir loin, hein, et profondément. Donc attention. Quand on se pose des questions, il faut savoir se poser les bonnes questions, ne pas trop s'en poser non plus parce qu'on finit par s'engluer après dans quelque chose qui devient négatif, dans un cycle de réflexion qui devient négatif et qui peut rapidement générer de la mélancolie et de la nostalgie. Donc attention à cet aspect d'introspection, à ne pas aller trop profondément, à ne pas creuser trop profondément. Pareil, si vous lancez dans certaines formes, comment on pourrait dire, de médecine parallèle, que ça soit l'hypnothérapie, que ça soit la méditation, etc. Pareil, si vous débutez, il faut être vigilant à ne pas aller trop vite, à ne pas aller trop loin, à ne pas aller trop profondément. On agit par étapes, on fonctionne et on franchit d'abord des paliers afin d'y aller progressivement et de faire les choses par étapes, d'accord ? Donc n'y allez pas trop vite, n'y allez pas trop fort et préparez-vous potentiellement à des attaques d'ordre spirituel et psychique. Mais ça, j'ai envie de dire que ça paraît assez logique vu les énergies d'Ostara, puisque là, comme je l'ai dit, la lumière va revenir, donc automatiquement la part sombre va être diminuée. Et comme elle va être diminuée, eh bien vous allez vous exposer davantage à des attaques. C'est-à-dire que la lumière peut aussi symboliser une forme de vérité, une sorte d'illumination, quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose que vous ne voulez plus. Ça peut être l'entrée dans un cercle vertueux. Et la part sombre, les épreuves du côté part sombre, eh bien peuvent se manifester via les mauvaises habitudes qui reviennent, les vieux démons qu'on essaye de chasser qui vont revenir, vous voyez, ce genre de choses-là, hein, ça peut être dans cette idée-là. Après, ça peut aussi avoir un lien avec le spiritisme. Peut-être préparez-vous, et là aussi j'ai envie de dire que c'est un petit peu logique, préparez-vous pourquoi pas à avoir certaines manifestations d'ordre surnaturel ou spirit ou psychique dans votre vie, c'est possible aussi. Là encore, faites attention à quoi vous pratiquez, c'est-à-dire que si vous lancez dans un art divinatoire, dans quelque chose que vous venez de découvrir, attention à y aller progressivement, à ne pas aller trop loin, trop profondément, parce que là aussi vous risquez d'appeler des choses que vous ne voulez pas forcément derrière, hein, des petites entités comme ça qui risquent de vous accrocher. Donc voilà, ça on veut pas. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Allez, maintenant on va compléter avec l'oracle des esprits guides pour avoir un petit message en plus. Et nous avons la perspective, excusez-moi, avec le petit chamois. Allez, on va regarder ben justement la perspective là tout de suite, juste en intuition avant de prendre le petit guidebook. Ce petit chamois avec la perspective, ça m'évoque justement un chamois. C'est un animal qui est particulier parce que il est connu déjà pour habiter dans des zones assez élevées, géographiquement parlant. C'est-à-dire que le chamois, il vit davantage dans les montagnes, dans les choses comme ça. Et les montagnes symbolise également à la fois l'épreuve, hein, si on fait référence au Lenormand, quand on a la carte du mont, c'est souvent l'épreuve qui fait face. Mais le chamois, il a cette faculté innée et cette facilité à surpasser les obstacles. C'est-à-dire que lui, il s'en fiche qu'il y a un gros caillou, que ce soit une grande montagne, une petite colline, peu importe. Il s'en fiche, il va gravir les choses et il ne va pas forcément réfléchir à comment il va le gravir. Non, il va juste avoir la volonté et il va juste avoir l'énergie de le faire naturellement. Eh bien, quand on fait face à des épreuves, c'est exactement le même réflexe que l'on doit avoir, c'est-à-dire ne pas se poser la question de comment je vais faire, non, il faut juste regarder le but, la finalité, l'objectif à atteindre, c'est-à-dire que l'objectif c'est de surpasser cette épreuve, de pouvoir la surmonter. Et à partir de là, c'est là qu'on va mettre en place une forme de stratagème pour soit surpasser cet obstacle, soit pour le contourner, hein, mais ça nécessite une forme d'analyse, c'est-à-dire que ce petit chamois, certes, il est un petit peu fougueux, c'est-à-dire il est aventureux, hein, il va escalader, mais il va pas non plus escalader comme à l'aveugle, il va pas escalader comme un petit fou, non, il va être vigilant, il va être prudent, et bien c'est exactement la même chose que vous devez faire, c'est-à-dire oui, vous allez devoir surpasser certaines épreuves,
Mais faites-le avant de vous lancer tête baissée, analysez rapidement la situation et surtout voyez où vous allez pouvoir mettre les pieds. Essayez d'anticiper la prochaine action à venir, d'accord? Ne vous laissez pas surpasser par le paysage, ne vous laissez pas submerger par la situation, mais au contraire, analysez la situation et ayez cette perspective qui va vous permettre de pouvoir, eh bien, voir où vous allez devoir mettre les pieds, là où vous allez devoir vous aventurer et surtout votre finalité. C'est-à-dire ne regardez pas la taille du combat, ne regardez pas la taille de l'épreuve, mais voyez simplement le sommet, le après, regardez l'horizon, ce qu'il y a derrière, et c'est ça qui va vous motiver à traverser cette épreuve et à pouvoir la surmonter. Allez, on va regarder le petit chamois ce qu'il nous dit. Le chamois avec la perspective, du haut des cieux, vous contemplez le reflet du monde. Un pas dehors, un pas en dedans. Vous savez prendre des décisions sans hâte et en connaissance de cause. Tout vous semble plus rapide à accomplir et vous demande moins d'efforts. Il est plus évident à présent d'assembler les éléments en une grande fresque sans laisser de morceaux de côté, faute de savoir quoi en faire. Vous habitez sans peine votre âme, la sagesse est là, haute et fière. Vous sentez bien que vous avez passé un palier. Vous n'êtes plus le même qu'hier. Votre vision s'est élargie et embrasse désormais tout ce qui vous entoure. Plus rien ne vous échappe. Pourquoi ne pas profiter de ce point de vue ? Le chamois vient vous montrer que vous avez avancé sur la voie, que de belles étapes ont été franchies avec succès et que plus vous marchez, plus vous vous élevez. Le haut de la montagne n'est pas encore atteint, vous devez le garder en vue. Mais il est temps actuellement de profiter de l'escale et de prendre en considération le long trajet que vous avez mis derrière vous et qui n'est plus à entreprendre. Les victoires sont éternelles. Eh bien les amis, franchement, j'avais même pas besoin du guidebook parce que pour le coup, je viens de vous décrire exactement ce que la carte du chamois symbolisait. Donc je vais pas... Donc je ne vais pas épiloguer davantage, hein, vous l'aurez compris, il y a encore du chemin à faire et c'est ce que Ostara aussi symbolise, c'est-à-dire que Ostara marque la fin de l'hiver, marque la fin d'un cycle sombre, mais il y a encore du chemin à faire jusqu'à arriver à Lita, au solstice d'été, à la pleine lumière. Hein. Il nous reste encore un bout de chemin, on a fait un peu plus de la moitié du voyage, il nous reste encore du voyage à faire et c'est aussi ce que le rituel va symboliser à travers les fleurs qu'on va planter, puisque eh bien le chemin reste à faire. Hein. L'étape de planter est facile, mais maintenant il y a toute l'étape de croissance jusqu'à eh bien développer de belles fleurs. Et c'est exactement là où nous en sommes à l'heure actuelle, là où vous en êtes dans votre situation et dans votre vie à l'heure actuelle. Vous avez franchi pas mal d'étapes, il vous reste encore des choses à faire, et bien gardez ce point de vue en tête, ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui pourrait y avoir devant vous, qui pourrait vous faire peur. Non, continuez d'avancer, mais restez prudent et vigilant et analysez bien chaque action avant d'en commencer une autre. Allez maintenant, mes chers amis, je vous laisse avec tout le rituel d'Ostara. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne. Vous savez, le racolage de youtubeurs, tout ça, tout ça. Et moi, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Thank you.
Chasse et pêche. Aujourd'hui, nous allons planter des glaïeuls. Et oui, c'est un moment fort pour Ostara. Je vais faire pipi. Ah, t'avais pas filmé. Non, j'avais coupé. Raté. On dirait vraiment que je balaye ou c'est moi. Arlésia, partie 1, 15.